Areskine ! Qu'est-ce qu'il y a ? T'as pas entendu un truc bizarre ? Si. Qu'est-ce que c'est ? Bah c'est le gaz. C'est le gaz dans l'appartement d'en dessous. Des fois il y a des fuites, alors ça s'accumule. Et puis s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal. Ah ! Et qui dit explosion, dit détonation. Tout le bruit que t'as entendu tout à l'heure. Ah ! Ils ont pas le brûlé ? Bah ouais, c'est normal, je t'ai expliqué. Il y a eu une explosion. Oui. Et l'agitation moléculaire due à cette explosion... La quoi ? L'agitation moléculaire. Ah ouais. Provoque une élévation thermique suffisante pour enflammer les matières environnantes. Oui. C'est alors ce qu'on appelle la combustion. C'est normal. Ah ! Tu comprends ? Oui. Savoir là, d'où l'immeuble est en train de brûler, c'est bien ça? Mais oui, écoute, les matières qui ont servi à la construction de cet immeuble sont très fragiles, tu comprends? Oui. C'est normal parce que de toute façon, il n'y a que des familles d'ouvriers et des étrangers et quelques improductifs. Ouais. Alors le feu s'empare très facilement des matières. Ouais. Ça se propage. Nous sommes donc en présence d'un incendie. Oh! C'est normal. Un incendie? Ouais, c'est normal. Le phénomène de la vie ne peut pas se maintenir. Alors...